pancho Il refusait de se faire filmer puis de répondre aux questions. Vous avez ouvert le règlement, donc on peut partir sur là. Vous allez voir, je vais expliquer. Ils nous ont expliqué, c'est pour ça qu'on a des questions. Et qu'est-ce qu'ils considéraient comme permanent? J'ai tout répondu à leur question. Mais non, c'était vague. Les toilettes, on n'a pas trouvé où ce qui était interdit dans le règlement. OK, c'est un autre règlement qu'on n'a pas reçu. Fait que là, c'est tout vague, puis nous autres, il faut juste qu'on coopère. Ben, c'est très vague. C'est que je vous avise à tous que vous devez récupérer vos choses, démanteler vos choses. Vous n'aurez pas la diligence de nous expliquer ici à tous les êtres raisonnables qui sont là, qu'on est tous des adultes. Je n'ai pas de spectacle de tout expliquer. Mais vous n'avez pas. Annick, elle représente juste Annick. Elle ne représente pas les autres. Le règlement est là. Je l'ai remis. Le règlement, c'est pour des installations permanentes. C'est pas marqué permanent, c'est marqué permanent. C'est vous qui nous avez dit ça hier. C'est marqué, ben, sur le papier qu'il m'a remis, c'est marqué Abbey, compte. Pourquoi c'était correct? Je peux aller chercher une autre copie, je peux t'en donner pourquoi une. Pourquoi c'était correct depuis un an, deux ans, trois ans? Pourquoi c'était correct depuis 10 jours? Pourquoi là, vous avez décidé qu'on ne peut pas s'abriter de la pluie? Là, on est en train de faire un show. Ben, c'est important. C'est ça que vous voulez faire, le show. Pas de problème. Qu'est-ce que vous avez à cacher? Non, qu'est-ce que vous avez à cacher? Bon, ben, prenez le temps, monsieur. J'ai rien caché, je vous ai tout dit. Ben, moi, il n'y a personne qui m'a parlé. Moi, hier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a parlé de la police ici? Non! Est-ce que vous voulez savoir? Je le pas. Fait que monsieur n'a même pas la diligence de nous expliquer. Ben, non, monsieur, c'est votre ego là, qui est blessé. C'est votre ego qui est trop fort en ce moment. Pas capable de parler devant une caméra, comme un bébé. Les enfants sont de même, ils ont peur de parler aux caméras. Qu'est-ce qu'il y a à cacher? C'est pas clair, hein? C'est jamais clair. Ils utilisent tout le temps des raccourcis intellectuels pour effectuer leur travail facilement, confortablement, rapidement, puis rentrer chez eux. Le soir, puis c'est pas de leur faute, puis c'est pas eux qui sont responsables. C'est ça, les petits Québécois fonctionnaires. Ça prend pas de ses responsabilités. Il a dit que les voitures, ça l'achalait, puis que l'alcool, ça l'achalait. Qu'est-ce que le policier t'a dit après derrière toi qu'il a parlé? J'y avais parlé, il avait dit que les voitures, ça les achalait beaucoup, qu'il allait avoir des tickets qui allaient être donnés, et puis que l'alcool, ça l'achalait beaucoup. Donc on a mis une politique, on avait déjà une politique zéro alcool, mais on a commencé à l'appliquer, c'est-à-dire par nous-mêmes d'aller voir les gens et leur dire de ne pas consommer d'alcool sur le site. Et le lendemain, on leur a parlé d'une éventuelle scène pour le 19 juin pour la Saint-Jean avant tout le monde. Et puis c'est là qu'ils ont réagi en comprenant qu'on était là permanent. Là, présentement, ils veulent pas prendre la peine de s'expliquer. Ils disent qu'ils ont déjà tout expliqué ça à une des personnes. Ils sont pas capables de justifier pourquoi qu'ils nous toléraient depuis 8-9 jours, pourquoi qu'ils ont toléré la CSN. Pourquoi ils ont toléré les dizaines de manifestations à travers les dernières années qui avaient des installations similaires à la nôtre? Le chapiteau, le barbecue, ça dit que les palettes, le combustible solide, c'est autorisé. Donc, il y a plein d'inconsistances.
on voit bien que c'est pas sa décision parce que lui a les mains liées. J'ai même pas pu parler à son capitaine parce que lui aussi a les mains liées. Donc, on comprend, nous autres ici, que c'est une commande politique. Il y a eu un prétexte qui a été donné. Parce que s'il nous laissait être là, puis qu'il laissait toutes les autres manifestations être là, c'est pas parce qu'il nous tolérait, c'est parce que c'est notre droit fondamental de manifester. Puis en 2019, la Ville de Québec a perdu un recours juridique en cours d'appel, comme quoi qu'on n'a pas besoin de donner notre itinéraire. Puis ça, le fait de donner l'itinéraire, ça faisait partie de la même série de règlements desquels ils tentent de nous expulser. Donc, on peut présumer que tout ce qu'il y a pour but de restreindre le droit de manifester, c'est inconstitutionnel, ça ne peut pas supplanter le droit de manifester. Donc, c'est pour ça qu'on était toléré depuis le début, c'est parce qu'on a le droit de manifester. Puis là, présentement, ben, ils viennent nous dire que politiquement, on n'a plus le droit de manifester. Moi, c'est comme ça que je le sens, c'est comme ça que je le vois. Sinon, ils prendraient la peine de s'expliquer et de trouver un compromis. Est-ce qu'on peut demander de quitter? Il a demandé aux gens de prendre leurs choses et de quitter. Ouais, mais les choses, ils veulent qu'on enlève le chapiteau, ils veulent qu'on enlève le... Mais non, mais c'est pas ça le point. T'sais, s'ils veulent venir l'enlever, il va falloir qu'ils l'enlèvent par eux-mêmes parce que c'est il faut qu'ils se commettent. Si on l'enlève par nous-mêmes, c'est comme si on obtempérait, même si c'est pas de la... T'sais, ils vont dire qu'on l'a fait de notre plein gré. T'sais, c'est pas que je vais aller me mettre entre eux et le chapiteau, mais le camion, on l'a mis ailleurs. Ben, ce qu'on comprend présentement, c'est que c'est des pions. Donc, eux, ils n'ont rien à dire parce que c'est des ordres. Eux autres, ils obéissent aux ordres. Puis ceux qui leur ont donné les ordres obéissent aux ordres. Fait que c'est même pas le capitaine de police qui décide. Pensez-y, là. Ce n'est même pas le capitaine de police qui décide si on doit rester ou si on doit quitter. Si on peut rester ou si on doit quitter. Ça fait-tu du sens? Monsieur Hamel, c'est celui en bleu? Ouais. On va poser toutes les questions. Okay. On va mettre mon filmé, mais tu sais, dans ma tête. Ouais, juste vocal. Ouais, mais dépêche-toi. T'enlèves, toi? Ouais. 84 personnes. Mais là, tout le monde, le sit-in n'est pas terminé, là. Le sit-in va continuer, c'est juste que notre logistique va être différente. Il va continuer à y avoir des repas, peut-être pas tout de suite, le temps qu'on s'y organise. Ça va prendre une trollée de bénévoles, ça va prendre des gens qui s'engagent à venir au sit-in quasiment à temps plein, là, ou à temps partiel, mais ça peut pas être tout le temps le même noyau qui tienne le fort, parce que nous aussi, on a des choses à s'occuper chacun de notre côté. Et on peut pas laisser notre vie en plan trop longtemps, surtout si les gens suivent pas l'appel. Tu comprends le concept du 80-20? Ouais. C'est tout le temps le vin qui font le plus d'efforts. Tu comprends, regarde, t'as un noyau, on veux changer ça. C'est ça, mais on veut pas quintupler le noyau du jour au lendemain, on veut juste augmenter la capacité de produire du noyau, tu sais. Puis là, ils sont là avec les goons, ils sont l'autre bord, puis ils osent pas trop, tu sais. Pourquoi qu'ils nous toléraient? Ils nous toléraient pas, on faisait notre manifestation. Pourquoi ils toléraient la CSN aussi? Ils toléraient la FTQ? Ils tolèrent tout le monde? Ben non! Le gouvernement ne tolère rien. Le gouvernement, il tolère rien. Mais non, c'est ça. Il fait juste suivre ce qu'il pense qu'il va pouvoir faire. Fait que c'est soit t'as le droit ou soit t'as pas le droit. Si t'as le droit, ben arrêtez de niaiser. Puis si t'as pas le droit, ben tu laisses personne. Là, ça fait des années que des gens manifestent dans la même forme que nous. Ils arrivent avec des camions de traiteurs. On a vu ça, la grosse CSN hier. Ils bloquaient Grande Allée avec des autobus. Il y avait des tentes partout, c'était tout là au complet, puis eux autres ils ont le droit. Eux autres ils ont le droit, c'est parce probablement, qu'eux autres ont une date de fin. Mais probablement eux qui ont fait des plaintes aussi. Ben, peut-être, mais j'ai jamais vu dans aucune réglementation qu'une manifestation avait une date de fin. Donc si ça marche pour une manifestation de deux jours, comme ils ont fait avant-hier puis l'autre journée d'avant, ben ça devrait marcher pour une manifestation à durée indéterminée. À moins qu'ils sachent que notre manifestation à durée indéterminée, pour une dictature temporaire, peut-être que la dictature n'est pas si temporaire que ça, puis qu'ils le savent. Tu sais? Fait qu'à un moment donné, il faut faire de l'arithmétique de base, puis le dire, tu sais, mais on peut pas parler à ces gens-là. T'sais. Là, lui, c'est le plus haut qu'on va parler, puis c'est un lieutenant qui n'a aucun contrôle. Fait que nous, notre rapport de force avec la police, les citoyens, c'est de dire on parle à quelqu'un qui n'a pas d'autorité. On parle à quelqu'un qui a un exécutant, quelqu'un qui exécute les ordres. Fait que ça, c'est super choquant. Fait que ça veut dire qu'il faut entreprendre des processus dans le droit administratif. Il n'y a pas de dialogue qui se fait. Nous expliquer les raisons. C'est les vraies raisons derrière ça. Puis quand quelqu'un fait vague de questionnements que tu poses, qui fait vague sur ses réponses,
c'est sans savoir si vraiment ils sont vraiment dans le règlement de nous empêcher. Sinon, la réponse est ferme et claire tout de suite, puis ils répondent tout de suite, mais là, c'est comme vague, puis on dit qu'ils vont juste suivre un protocole. C'est ça. Mais c'est pas grave, comme Alex expliquait. Ça, c'est nous autres, le sit-in va se passer pareil. Moi, je suis ici encore demain. Fait que je vais m'installer. S'il pleut, je vais aller m'acheter un genre de gros parapluie avec un long parasol, genre. Je vais attacher ça sur ma chaise, puis je vais m'installer là. J'ai encore dormi dehors cette nuit. C'était ma deuxième nuit au sit-in que j'ai dormi à la Belle Étoile. Fait que tu sais, il y a quand même une couple de personnes qui sont venues malgré la pluie. Mais c'est ça, de toute façon, avec des bons parasols, des bons parapluies, là, on est bien. Hein? Moi, j'ai même pas de parapluie, mais je profite de celui-là des autres de temps en temps. Fait que c'est ça. Fait que là, il y en a certains qui veulent encore. Là, sont en train de mettre une corde. Fait que là, Audrey-Anne est en train de protéger le campement. Oh, avec la pinata en plus. La licorne a sécurisé. Fait que ça va être un piège si les policiers charge, il va y avoir la pinata qui va exploser. Il y a des bonbons pour vrai. On va les asperger d'amour. Voilà. Fait que moi, je suis en train de boire un Pepsi. Regardez comment que c'est hot ici. On a des Pepsi encore un petit peu. Mais là, on était obligé d'aller serrer notre bouffe et notre stock. Ça va bien? Vous êtes prêts pour qu'on ait une belle journée de plaisir? OK. Vous savez ce qui va se passer tantôt, hein? Oui. Nous, on sait qu'est-ce qu'eux vont faire. Ce qui nous reste à déterminer, c'est qu'est-ce que nous, on va faire. Là, ben, comme dans toute chose, il y a plusieurs théories, il y a plusieurs propositions, il y a plusieurs idées. Or, nous, on est pour la liberté. Ça donne. OK? Fait, il y en a qui sont plus... vont mettre des options sur la table. On veut vivre en démocratie. On veut vivre en démocratie directe. On en a un bon cas, là. Il y en a qui trouvent que, au moins, on devrait protéger notre campement. Pas de façon violente. De façon non-violente. Juste en se tenant ici, regarde. Andréane avait fait ça. C'est-tu violent? Non. C'est une protection de notre campement parce que on est-tu d'accord qu'ils nous mettent dehors? Oui! Oui? Non, c'était, la réponse était non. Hein, c'était un petit test de... OK. Est-ce qu'on trouve qu'ils ont le droit de nous mettre dehors? Est-ce qu'on trouve... Ça nous tente ça de les laisser faire? Non! Mais en même temps, on veut pas être violent, puis on veut pas même être violent. Tu sais, comme François le faisait remarquer tantôt, on veut même pas être violent psychologiquement. T'sais, si vous vous mettez dans ce coin-là, là, faut assumer. T'sais, à la toute liberté vient la responsabilité. Toutefois, il y a des conséquences, OK? Puis assumer les conséquences, ici, ça veut pas dire si vous touchez le faire. Comme François disait, elle disait, hey, moi pas toi, là. Ou, hey, assombre, OK? Il faut rester peace. Hein? C'est OK, on reste dans l'esprit de la chose. Là. Si vous vous mettez là, c'est parce que vous n'avez pas juste la force physique, vous avez de la force intérieure de dire, d'être capable de rester cool, malgré ce qu'ils vont faire. Si vous restez cool, ils ne vont pas faire des choses trop graves, trop intenses. OK? C'est un dialogue qu'on continue d'avoir avec la police, même là, surtout là. Parlons avec nos corps, pas juste avec nos mots, OK? Ceci dit, ceux qui aiment mieux, ça leur tente pas, OK? Puis c'est pas une question de pression psychologique qui
les vrais qui font ça, c'est pas ça, là. C'est sûr qu'il y a mieux se mettre là, et juste assister, juste par le regroupement, par leur présence, de témoigner qu'ils sont pas d'accord avec ça, de prouver qu'ils sont pas d'accord, puis évidemment, ben, de filmer aussi. Plus il y aura de gens qui vont filmer aujourd'hui, mieux ça va être. On va envoyer un beau message au Québec. Trouvez-vous que ça a l'air comme plan? Oui! Oui! OK? Fait que, tu sais, c'est ça. Liberté! On est tout d'accord avec le principe de liberté! Liberté! C'est ça. Fait que là, on va les attendre doucement, dans la joie. On a été dans la politesse, dans l'harmonie avec eux autres depuis le début. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Pas parce qu'ils viennent nous démonter ça illégalement. Il faut qu'on commence à leur gueuler après, à être violent avec eux, à être même avoir des réactions non violentes, même de défense, OK? Montrons-leur qu'on est plus fort qu'eux, ici, puis ici, dans nos corps. Merci, Donald. Probablement que ça leur tentera même pas, probablement qu'ils sont très conscients qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Je vais leur en parler d'ailleurs. OK? Trouvez-vous qu'on va avoir une belle journée? Oui! Une belle journée de soleil intérieur, faute d'en avoir à l'extérieur. Merci tellement d'être là. Je pense que vous méritez de vous autocongratuler avec une bonne main d'applaudissement et un gros OK? On est vraiment bon, on est vraiment fort. Ça, c'est les vrais de vrais qui sont là aujourd'hui. Puis, c'est ça. Merci de donner au reste des Québécois un message de c'est quoi qu'il faut faire au Québec en ce moment. De c'est quoi, de quoi que le Québec a besoin. Arrête de parler, puis l'installation! Fait que c'est ça, gang. Je vais me garder de la batterie pour tantôt, mais qu'ils s'en viennent. J'étais avec Alex. Salut!